Et bonjour, bienvenue pour cet épisode 4 de notre Let's Play sur Metroid Dread, j'espère que vous allez bien. On est parti, on continue pour la suite. C'est quoi cette sale bête? Pourquoi elle a un collier? Ouais. Est-ce que les papillons ils indiquent quelque chose? Non. Je sais pas, je bourre tout avec les missiles, on sait jamais. Yes. Ouais, ça marche. Ok, la zone a émis. Et là, une recharge. Ça sent pas bon cette histoire. Ça sent pas bon cette connerie. Allez. Ah mais il est juste en dessous ce petit bâtard là. Parce qu'après en boule je suis peut-être... Quoi? Quoi? Ah le bâtard. On va s'en aller hein. Du coup est-ce que... Ouais. Ah mais c'est chiant là au niveau des positions. Surtout que là je sais même pas où il est le MI. Ah ouais, les trucs rouges là c'est ok. Bon bah on y va hein. Putain c'est pas fini. Il y a un truc de missile en dessous, mais... C'est un gros escargot, ça. Elle est bizarre, cette zone. C'est... attendez, là, on est... Oui, on est dans Dairon. Je crois que c'est Dairon, hein. Je crois que c'est ça qu'il disait Adam, c'est que... C'est une sorte de laboratoire biologique, on dirait. Il y a l'air d'avoir des bails sombres, ici. Si on doit trouver des métroïdes ou des parasites X, c'est ici, quoi. Genre y'a rien là. Si y avait bien un truc. Mais pas pour tout de suite. Super. Peut-être que si je reste là il va se passer quelque chose. Ouais. Non bah du coup c'est pas là hein. Voilà, il est pas loin. Je sais pas où il est, mais il est pas loin. Petit bâtard. Oh quel enfer! Oui bon bah... Hein? Mais attends c'est quoi ce bail? Yes! Attention le flash! Raté! Raté! T'es pas prêt là. Non mais il allait super vite lui là. Quoi cet enfer? Mais par contre... Oh putain mais c'est où? Attendez là.
Là, on dit... là, on dirait qu'il y a un passage. Genre, y'a rien ici, quoi. Enfin, y'a rien ici. Ah, après, j'ai pas essayé mon canon de plasma. Enfin, non, pas canon de plasma, canon à dispersion. Ouais, non. Ça aurait pu, hein. Donc, c'est pas là. Ouais. Ça, je comprends pas, hein. Bon. Mais non. Allez, cours. Cours et je sais pas. Mais non, mais... Bah ouais, je sais... Elle a pas voulu. D'accord. Ah ouais, non, mais le flash, il dure tellement... Bah oui, viens ici. Ouais, viens par là, je te dirai rien. Je sais pas pourquoi elle refuse. Non, mais j'ai dit, il faut que je spamme. Essayez de spammer. Je pense que ça ne marchera pas, mais essayez de spammer. Bon, juste allons par là. Non mais, fais ça. Mais non mais qu'est-ce que tu fais? Non! Non mais il est infernal lui! Au secours! Allez, dégage. Oh, mais en fait, je lui dis dégage, mais là... Là, je vais nulle part, moi. Alors qu'en fait, je pense que c'était par là qu'il fallait que j'aille. On va placer un marqueur. Non... En fait, j'ai pas l'impression que ça se casse, ça. Bah ouais. Bon, c'est pas grave. Au pire, c'est... J'essaye d'appuyer au bon moment. Mais... Bon. Allez. Après cette interlude de 10 minutes où on n'a pas avancé, avançons. Ouais, le problème c'est les mines quoi. Mais bon, normalement là ça passe. Voilà. C'est pas par là non plus. Quel enfer. Il reste là. La vraie question, c'est est-ce qu'il me détecte les trucs rouges si je suis en invisible? Ouah, toute la... Ah ouais, la barre de vie que j'ai pris, quoi. Ok, bon, lui, il peut venir de là, quoi. Ça, c'est pour mon canon. Non mais lui il est horrible hein. Ce ennemi là, c'est vraiment un enfer. Ce serait par là qu'il faudrait que j'aille, ouais.
Va-t'en. Non, 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 bah non. Non, ça c'est Rigged. Hein. Bah oui, c'est bah oui. Bah bien sûr. Ah oui, Non. J'ai l'impression qu'il a fait deux flashs. On va essayer de courir, hein. Oui, bon. Voilà. Est-ce que ici... C'est un enfer. Au secours. Au moins si je continue, je continuerai de là quoi. C'est quoi ça? C'est pas une arme que j'ai. Ah bah je peux aller là. Ouais. Ah mais attendez. Comment? D'accord. Ah bah là normalement je devrais obtenir ce pouvoir là. J'espère. Ah il faut que j'arrive du haut. Bonjour. Donnez-moi la frappe oméga là, j'en peux plus. Ok. Ah, ça ne fonctionne pas visiblement. Pas alimenté. Ouais non en fait là il y a pas de courant ici quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fait vite fait penser à soit une sorte de luma démoniaque, soit un parasite X. Mais je dois me faire des idées. Ouais non je peux pas, je peux rien activer ici. Il me faut remettre du courant. Avant toute chose mettons du courant. Bon. Je pourrais pas faire ça de ce côté. On dirait une zone potable pour un ennemi, ça. Ah. Est-ce que là... Ça, c'est la map, ça. Non. Je sais plus. Je sais pas. C'est juste le courant. Tout simplement. Bon, bah voilà. Moi ça reprend vie. D'accord. On revient donc là. Ah. Et c'est une zone de froid maintenant. Merde. Donc là c'est une zone à laquelle je suis sensible à cause de mon ADN Metroid. Ok. Oh, mais du coup par contre ça m'aide pas à passer les trucs bleus hein. Je peux passer là. Je peux activer ça. Donc, faisons ça. Ah non c'est ça la map. Je crois. Chaque fois je suis pas sûr. Non mais si c'est ça. Oui voilà. On a la map de Dairon. Carte de la zone téléchargée. Sauvegardons. Ouais. Ouais, ça définitivement. Ah ouais, y a un timing, mais. Ok.
Il y a un timing. Ah oh, la bombe. Yes. Ah oh oui. Ah oh oui. Une bombe pouvant être utilisée en mode bubble morphing. Vous posez une bombe pour poser une bombe appuyée sur Y lorsque vous êtes en bubble morphing, les bombes peuvent endommager les ennemis, détruire des blocs bombes ou révéler des blocs cachés. La déflagration propulse Samus en l'air lorsqu'elle est en bubble morphing, et ça c'est marrant. Samus peut également activer les propulseurs de bubble morphing avec une explosion de bombe, hein? D'accord. Ah mais oui, ça doit être les trucs qu'on a vus. Je pouvais me mettre en boule dedans. Bah, ah, d'accord. Donc démonstration, bam! Ah oh, ouais. Trop marrant la boule morphing. Wouah! Mais je peux en poser tellement? Ah non, ouais, non. 3 voire 3. Et boum. Deux missiles en plus. Et donc là, hop. Oh marrant. Ah yes. Est-ce que là, il y a un truc? La boule morphing. Donc là on est bon hein. Ok. Bon, ça va pas me permettre d'aller dans la zone de froid par contre, mais. Ah! Coucou toi! D'accord. Ah t'es du genre sympa toi. Ouais, là il y a l'air d'avoir des trucs, mais on va aller là-bas avant. Parce que ça, du coup, ça doit se casser. Non? Ça se casse pas. Ah, oui. En fait, c'est un coup il fait son attaque qu'on peut parer, un coup il fait son laser. J'ai l'impression. Bon. Allons là. Ah. Ah non, c'était pas une coquille d'escargot en fait. Ah. Yes. Des petits stimuli. Bon, y a rien l'air d'avoir caché. Tu peux casser ça? Ah ouais. Ah mais oui, c'est un truc qui se casse par bloc normal. Allons là avant. Petit point de save. Bon allez, sauvegardons. Et let's go. Non. Bon. Bah voilà. Au moins c'est fait. Ah, salut. Non mais ça c'est chiant. Ah mais non. Décidément, il a l'air de vouloir vraiment jouer avec moi. Ah là, il va me voir, non? Bah ouais. Ah ouais, il me chope quand même. Il m'a mis un petit coup de papate. Ouais.
Ouais. Pour l'instant, on a jamais réussi à le parer, hein. Pour l'instant, on a jamais réussi. Ah non, mais ça l'a remis, quoi. Mais non, mais... Bon bah cours, hein. Bon, je suis mort, t'façon. Donc autant prendre le risque, hein. Non mais voilà, ça c'est dégueulasse. Parce que même quand je bougeais pas, il me détectait, quoi. Ah, je pouvais y aller, je crois, là-bas. J'avais pas prévu que l'explosion faisait des dégâts. Moi je pensais juste que c'était un truc qui faisait du bruit, quoi. Quel enfer, mais je crois que j'ai... Bon, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris, il faut que j'aille. Donc au pire on calcule pas et on y va, quoi. Voilà. Ah, ça met la pression, les ennemis, quand même. Surtout celui-là, là. Celui-là, vu qu'il est un peu en mode The Flash, je vais trop vite et tout. Il m'emmerde un peu. Ok. Non, mais... fais un effort, Samus. Ah, vraiment, elle a pas envie. Non, mais... Merci. Je suis bien, hein. Ah bah un tram, on va pas changer de zone. Ok. Bah changeons de zone. Ah, je me suis dit, est-ce qu'on va aller enfin vers le haut? Bah non, toujours pas. On se rend à Burenia. Burenia ou Burata. Non, Burenia. Vers Burenia. Burenia. D'accord. Ah bah là on est en extérieur. Bah on est en... Voilà. Ça va pas durer. Ouah. Ah ouais. Je m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Trop marrant. Ouais. Non, je peux pas. No way. Vous voyez le moment où il va sortir de l'eau, lui? Moi, je le vois bien. Trop marrant. Trop marrant. Ah mais j'aime trop les animations de Samus aussi, comme elle fait et tout, la façon dont elle positionne ses mains et tout. Je trouve ça vraiment stylé. Petit souci du détail. Vas-y. Ah, par contre, l'eau, c'est galère. Ah, par contre, ouais. En fait, c'est des baits ces blocs-là, ou comment ça se passe? Ok.
Ah, j'allais dire c'est indestructible ou comment ça se passe, mais non. Non, c'est juste relou. Hein? Pourquoi j'ai pu mettre 4 bombes d'affilée là? Je comprends pas. Je comprends pas. Là, c'est Adam. Ah oui, c'est mon pote Adam. Envoie les données. Les niveaux inférieurs de Bourenia sont en majeure partie submergés. Il te faudra ta combinaison de gravité pour y opérer à 100% de tes capacités. Les compétences comme le rayon grappin ou le saut spatial t'aideront à progresser sous l'eau. Trouve-les aussi vite que possible. Ok, bah merci Adam. Alors, en fait, je t'explique. Retrouve tes pouvoirs. Voilà. T'avais qu'à pas les perdre. Hein? Oui, c'est vrai que dans l'épisode 1, au début, je dis « Ah ouais, mais du coup, on n'a pas eu de conséquences. » Mais en fait, si, le Chozo, il nous avait dérobé tous nos pouvoirs. Donc, mais c'est trop chiant, ça! Ils sont trop relous, tes piranhas de mort! Aïe. Non, mais... Attendez, est-ce que ça se counter, mais c'est trop bizarre. Ok, bon, ça j'en ai bien besoin. Mais non! Ça recharge que les munitions, pas la vie, ça. Ça l'a pris. Ça y est, ça. Mais non mais... Le counter. Ça on peut pas counter mais sinon le counter. Non mais... Mais Samus. Joli saut, hein, pile dessus, pile dans la trash. Ah yes. Ça glisse. Ah mais ça va être chiant, ça. Ah ok. Ok. Bah, du coup, on a obtenu le bonus. On peut aller là. C'est vrai que, ouais. Ah, c'est pas pratique. Samus, fais un effort de se déplacer sous l'eau. C'est pas le meilleur des plans, quoi. Des bails. Non mais Samus, fais un effort. Oh, je me suis mangé un chien dans la gueule là. Mais non mais... non, mais j'imagine qu'il va falloir que je passe par là. Hein. Du coup. Hein? Ah. Mais non. Comment? Ah, mais comment t'as le bon saut du coup? Ouais, non. Ouais, définitivement. Je sais pas. Il faudrait une aptitude de double saut par exemple. Ce serait pas mal.
Trop de chemin. Ah, mais ça, je peux pas. Ça, on est d'accord, c'est... ouais. Mon capteur sensoriel n'y fait rien. Non mais ça c'est infernal. Pourquoi je suis parti là alors que j'avais un truc, un chemin en haut? Non mais allons, va au chemin en haut. Oh bah trop tard. Puis on peut pas taper le poisson. Ah, je peux pas faire de... ouais, je peux pas faire de wall jumps dans le sous l'eau. En tout cas pas sans la combinaison de gravité, je pense, du coup. Cette lenteur. Au secours. Ah non mais... voilà. Faisons ça comme ça. Hop. Bon, il y a un truc secret là. Et là, la porte, ça mène où? La porte, elle mène là, et... J'ai pas l'impression que je peux faire des dingueries, ici. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, ouais. Sûrement aller là où je vois le point vert, là. Ah, mais c'est fermé. Déplacement phasique obtenu. La phase. Le phason. Phason, c'est quoi? C'est Metroid Prime, ça. Donc d'accord, oui, ça me consomme de l'aéon, donc le même truc que pour la... le camouflage. Maintenez A pour préparer le déplacement phasique. Peut-être que je pourrais améliorer ma jauge d'aéon, peut-être par la suite. Ensuite, inclinez L en avant ou en arrière pour vous déplacer instantanément dans cette direction. Vous pouvez aussi appuyer sur A en vous déplaçant avec L. Cette compétence peut aussi être utilisée en l'air. Samus peut effectuer jusqu'à deux déplacements phasiques supplémentaires en maintenant A enfoncé et en inclinant L vers l'avant ou arrière immédiatement après le premier déplacement phasique. L'utilisation de déplacements phasiques consomme la totalité de la jauge d'aéon. Les déplacements phasiques supplémentaires ne consomment pas davantage d'aéon. D'accord. D'accord. Donc là, je peux faire ça. Voilà. Oh. Ah ouais. Ah oui, donc je peux faire ça alors. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, trop bien. Ah, c'est trop bien. Meilleur jeu. Ok, une sauvegarde. Bah tiens, sauvegardons là maintenant. Ah, le dash. Quel plaisir. Parce que je m'attendais pas du coup à avoir le dash là. Donc ça fait plaisir.
Ouais, bon, d'accord. Alors vraiment, les petites bêtes, j'aime pas ça. Et du coup, je peux... Ah, je peux pas le faire dans l'eau. La grande réserve de missiles. D'accord, bon bah du coup, il fallait que je remonte. Tant pis. Parce que là, du coup, ça mène là. Ouais, moi, c'est ça. Ah non, c'est un téléportail, d'accord. Bon, du coup, pas par là. Ah, mais je crois que j'ai un buff de vitesse aussi. Une fois que j'ai fait ça. J'ai l'impression. Ah, mais oui! Ah oui, bah oui, du coup, oui. En vrai, ça a passé presque, hein. En vrai, ça a passé presque. Et boum, grande réserve d'énergie. Ah, il est vraiment stylé, ce dash, hein. Vraiment stylé. Comment je fais le... Ah oui. Ah ouais, non mais du coup, oui. Du coup, il faut que j'appuie sur R pour centrer. Un volet. Ah mais du coup, je peux passer là-bas. Continue sous l'eau. Ça me plaît pas trop parce que je peux pas utiliser mon dash, mais la réserve de missiles. Mais non, mais. Je peux mettre des bombes sous l'eau, moi. Non. Bon, même si je pense que j'aurais pas eu, même si j'avais été rapide. Quoique. Je sais pas, hein. Peut-être moyen. Hein. On s'en fout de monter là? Vraiment? Bah yes. Donc là j'ai fait monter l'eau partout. Je sais pas si je m'en réjouir vraiment. Ah quoique non, j'ai régulé le niveau de l'eau en fait. Ah donc si en fait. Non si c'est bien. Mais... Ok, j'ai eu peur que ça me tombe dessus. Ah, et là, nouveau tram. Oh, ça s'ouvre beaucoup, par contre. Là, ça s'ouvre beaucoup. Parce que là, en même temps, j'ai ça. Donc là, j'ai un nouveau tram ici. Qu'est-ce que j'ai là-haut? Ah bah ouais, là, je peux passer maintenant. Vas-y, là! Non, si, je pourrais peut-être passer par là-bas, ouais. Mais on va retourner, on va aller voir où ça nous mène le téléporteur. Bah le téléporteur. Le transporteur là. Ça devrait me ramener à Dairon, hein. Ou alors, ça me ramène à Artaria.
Non, pas du tout. Il me semble que ça a retardé à la première zone. Non, non, on retourne à Dairon. Ok. Ah, mais on va pas retourner à un endroit, genre l'endroit que je voyais de l'autre côté. À un moment donné, je voulais aller à un endroit. Possible. On est arrivé. Ok. Ouais, Burenia. Ouais, on arrive en dessous. Ah donc non, pas du tout. Hein. Ah oui, non, moi c'était un transporteur. Un télétransporteur. Ok. Superbe. Non mais... Très bien. Bon là j'imagine qu'il n'y a rien. Mais vraiment je peux pas. J'ai pas le droit. Ah. MDR. Non mais toujours plus hein. Comment il réagit sous l'eau lui? Vous croyez qu'il sait nager? Je pense qu'il sait nager hein. Je vais partir du principe qu'il sait nager. Bon bah. Vas-y, cours, hein. C'est pas par là. Mais what? Bah c'est bien la mer. Ah d'accord. Bon là j'essaie de spammer le bouton complètement. Ah ouais, je lui ai donné un coup dans la gueule. Mais il s'en est battu les couilles quoi. Elle a tenté quelque chose au moins. Visiblement, le Emi se sent très bien dans l'environnement aquatique. Hein. Ok, je voulais repérer à peu près où il était. J'ai ma réponse. Ouais. Non mais il va beaucoup trop vite lui hein. Lui il est insupportable hein. Ok, ok. Oh oui, la vengeance. On va pouvoir se venger. Ah oui, j'ai des missiles. Hop. Voilà. Allez. Frappe Oméga activée. Enfin canon Oméga. Let's go. Ah. Par contre ça va être ultra chaud hein. Ah oui.
Ça risque d'être chaud quand même contre lui, hein. Non, 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 ouais, ouais. Non, mais il va trop vite, hein. Comment ça, son truc, il a fondu? Il avait déjà fondu? Il va trop vite, hein. Bah oui. Vas-y. Oh, cet Emmy là, il est infernal. Lui, ça, son but dans la vie, c'est de speedrun, lui. En fait, je sais pas ce qui fait que des fois, il y a des moments où il va plus vite, plus rapidement que d'autres, quoi. En fait, je crois que c'est quand j'arrive à bien lui tirer dessus, il est lent. Donc, il faut juste que je joue bien. De la merde. Non mais ça va pas le faire là. C'est ça qui m'a eu tout à l'heure, hein. Ok. Mais non, mais tire, 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 tire. Non. Mais quel connard, j'appuie sur le mauvais bouton, j'appuie sur A comme un connard. je voulais pas le tuer. J'ai pas appuyé sur le bon bouton, quoi. Non, mais pas là. Ici, ça m'arrange pas. Là, ça aurait pu le faire si j'avais pas fait de la merde. Ouais, si, c'est bon. Bon, donc je me gourre pas de boutons ce coup-ci. Voilà. C'est bon. Accélérateur obtenu. Mais là, je vais être encore plus rapide. Ou je vais juste être plus rapide de base. Permet à Samus de foncer à une vitesse supersonique après une courte prise d'élan. Ah, et ça va me permettre du coup de détruire les... Attendez. Attendez, j'ai vu le truc vers le haut là. Mais ça va me permettre de détruire les blocs du coup. Ok. Appuyez sur L en courant pour enclencher l'accélérateur. Continuez de courir sur une certaine distance et l'accélérateur s'active. Lorsqu'il est actif, tous les ennemis sur le chemin de Samus subissent des dégâts et les blocs accélérateurs sont détruits. Pendant une accélération, Samus peut également se propulser dans une direction définie. En utilisant la technique comète, inclinez L vers le bas lorsque l'accélérateur est actif pour préparer la technique comète. Ensuite, appuyez sur B pour l'activer avant d'incliner L dans n'importe quelle direction pour que Samus y soit propulsé. Je veux le faire, je veux le mettre en place. Laissez-moi le mettre en place. Laissez-moi être assez rapide. C'est où que j'ai une ligne droite là? Attendez.
Bah. Il faut, y a un bouton qu'il fallait. Non, il faut pas mettre un bouton. Ah oui, non, ici, il faut que j'appuie sur le... Ok. Ok, et donc là, je fais ça, ça. Ah non. Ok, bah, ok, je crois que j'ai compris. Ou ça a l'air dingue. Attendez, on va le tester. Ok. Bon, il faut apprendre à le maîtriser, mais ça a l'air trop sympa. Ah ouais. D'accord. Ah. Là, je fais ça et je fais ça. Non, je l'ai raté. Il est là, le... Ok, c'est là qu'il faut essayer de me positionner. On l'a eu. Ok. Ah oui, la cam. Ah, mais faut qu'on s'arrête, hein. J'avais pas eu le temps de la vidéo. Ah, mais ça servait à rien. Non, si, ça doit servir à un truc. Non, mais ça a l'air trop bien, la technique. Ok, là j'arrive en Burinia. Non, mais c'est peut-être là qu'il faut que j'aille en vrai. Peut-être de l'autre côté. Donc allons de l'autre côté. C'est vrai que j'ai voulu faire le cacos et prendre le petit trou, mais. Je suis obligé de faire ça, quoi. Ah, mais du coup, je peux prendre les couloirs empruntés par les émis. J'ai l'impression. C'est trop marrant. Ah, oui. Ah, mais là comment j'obtiens la vitesse là? J'ai la vitesse. Non mais au secours. Compliqué là. Oui bah oui. Ah. Et là si je fais ça. Ouais mais non, ça va être forcément interrompu. Mais... Ah ouais non, il suffit d'appuyer une fois en fait. Ok. Là je fais ça, là je fais ça, et là je fais ça. Oh stylé. Y'a pas des trucs là? Ouais, du coup maintenant il y a des ennemis au lieu des ennemis quoi. Moi je préfère. Pour ma santé mentale c'est préférable quoi. Ça j'ai toujours pas le pouvoir. Hein. Ça je ne peux toujours pas. Ouais par contre du coup ça me permet de faire des trucs de fou hein. Cette capacité là va me permettre vraiment de faire des trucs de ouf. Ok. Bon les plateformes de volée on s'en fout un peu, je pense. Ah. Ah mais là on s'en fout. Ah, c'est chiant ça. Je peux pas les détruire ces blocs là.
ça, ça a déjà été fait. Teleportation. Ouais, mais qu'est-ce que je... Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais, en fait, maintenant? Ah, je peux aller... Je peux essayer d'aller en dessous, là. Non. Parce que là, ça a l'air de descendre, hein, tout en bas. Là, on est sur une zone où il y a trop de chaleur. Ah non, mais les zones de chaleur, je crains pas. Je crains plus. En vrai, ouais, j'ai débloqué quelques pouvoirs là, donc il y a peut-être moyen de faire des... Je dois avoir moyen de faire plein de trucs en vrai. En fait... Après là je sais pas où je vais. Je préfère me prévenir. Voilà. Hein? C'est marrant comment ça découvre la map en fonction de là où je vais ou pas. Ah oui, du coup en fait on peut vraiment voir où est-ce que je suis allé dans la map ou pas quoi, en fonction des zones qui sont grisées. Là genre là je suis pas du tout allé. Ok. Je me rends compte que maintenant. Mais au moins je me rends compte quoi. Et moi je vais aller en dessous. Ouais parce que maintenant je peux. Je supporte la chaleur. Après ça se trouve c'était là, c'était la zone où j'étais allé quand je supportais la chaleur. Non regarde, ouais. Ah si. Non mais Samus, fais un effort. On peut pas faire d'effort. Ça son problème en fait. Elle a pas envie. Ouais. Donc là, il y a une zone que j'ai pas vue. Je sais pas. En fait, le problème, c'est que je sais pas. Je sais pas où je dois aller. Faut que je monte. Donc les ascenseurs, c'est peut-être bien. On va juste essayer de se mettre sur le droit chemin avant de partir. Et vu que je pense que c'est pas là, on va s'en aller de là. Donc on avait dit... On avait dit par là. Non, sinon l'ascenseur... Là, je crois qu'on n'y est pas allé, en fait. Attendez, si on y est allé. Si on y... Ouais, mais pour... Attendez, pour... Voilà, zoomer. Ah non, on n'y est pas allé. Ah, mais là, il y a une caisse rayon large, on pourrait y aller que de ce côté, quoi. Après, station de réseau... Ah, on peut aller à la station de réseau, voir Adam. Il aura peut-être des trucs à me dire. Essayons de voir... Voilà. Ah bah non. Adam, il a rien à me dire. Connard. ça, c'est que de la recharge d'énergie. Ah non. J'allais dire de... Enfin, j'ai dit d'énergie, mais je voulais dire de munitions, mais non. C'est bon, c'était bon. Donc, ouais... Le problème c'est que je suis pas convaincu non plus qu'il faille que j'aille par là. Après je suis jamais allé dans la zone là où il y a le petit papillon là de mort. Non. Ouais, superbe. Genre là. Je sais pas s'il peut y avoir des trucs ou pas. Ah si, j'y suis allé. Oui, non, mais d'accord, en fait, si. Si, j'y étais allé, mais dans une autre vie, quoi.
non, y'a rien. Ah, là, par contre, tu peux... Ah ouais, double dinguerie, là. Potentiel. Là, j'y suis allé. Donc là... Alors, on est allé en bas, mais on n'est pas passé par l'espèce de tuyau. Là, ouais. Ah ouais, mais là... Ah si, on peut maintenant. Non. Oui aussi. Boum. Et 2 missiles de plus. Non, on peut descendre par là du coup. Ok, Samus. Sympa comme mouvement. Ouais. Je sais pas si j'ai vraiment raté quelque chose ici, mais... Après tout, c'était la zone de Lemmy, donc... Après, peut-être que si je retourne à Burenia maintenant, j'ai des trucs aussi. Bon, écoutez, on va aller vers Burenia et on va s'arrêter. Voilà. On verra, et la prochaine fois, on verra bien... On trouvera. On fait pas, on trouvera. Alors en vrai, c'est juste qu'il y a énormément d'endroits où je pourrais aller. Et là, je vois pas en fait plus que les autres dans quel endroit. J'aime trop la zone là. Oh, j'aime trop l'extérieur là comme ça. Dommage qu'on y soit pas. Ça aurait été stylé d'avoir un peu ça en arrière-plan aussi. Un peu plus. Non, parce que là-bas, Burenia, c'était quoi le problème, en fait? Ah, ouais, mais je crois que le problème, c'est que c'était que des portes... les portes bleues, là. Donc si c'est le cas, c'est la merde. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est direct les bonnes ambiances. Du coup, effectivement, on peut passer là. Ah, peu importe le sang dans lequel tu passes, ça. D'accord. D'accord. Interesting. En vrai, juste regarder Samus, j'aime trop. Genre les petits détails en mode je vise avec en posant ma main. Enfin non mais... Enfin, voilà, vraiment, pour le coup, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup le jeu. C'est vraiment très très agréable. Donc bon. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, la vidéo doit être sûrement trop longue, enfin trop longue, beaucoup trop longue par rapport à ce qu'elle devrait être. Bref, hein, je rappelle que j'essaye de, enfin je rappelle, je précise, j'essaye de viser moins d'une heure pour les vidéos de ce format-là. En tout cas, moi en termes de temps, de record, je suis pas à moins d'une heure, clairement. On verra bien pour vous ce que ça va donner, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, tout ça, voilà, abonnez-vous, etc. Prenez soin de vous, c'était Blue, bye bye.